Coucou les Capricornes. Tu veux dire, oh, j'ai le sourire à cause du tirage des Sagittaires. Peut-être Sagittaire autour de toi, Capricorne. Ou alors peut-être que je pense pas que tu puisses trancher comme ça la roue, Sagittaire. Hein. Peut-être, hein. Il y a de la poussière de Sagittaire dans le coin. Quels sont les messages pour vous bons à entendre? Pourront vous aider pour ce mois de février. J'ai un petit chaperon rouge qui sait très bien que le loup est derrière, que le loup n'y est pas. Non, non, mais il y a un truc. C'est votre totem. C'est votre aura. Mais oui, non, parce que à chaque fois j'oublie quand je vois cette carte, je me dis toujours oh, attention, le loup va te manger. Pas du tout. Non, 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 non. Quand tu regardes par rapport à l'échelle des tailles, la taille de la nana, là t'as juste la tête qui fait. Si lui il renifle, elle s'envole. Donc, c'est son aura. Elle a pas peur. Elle craint pas. C'est une version d'elle. Une version de vous. Donc, mes petits loups, vous êtes en train, enfin, de jouer avec le fil du temps, de coudre, de broder ce que vous voulez voir arriver, vous péter la baraque pour être libre, pour arrêter tous les schémas répétitifs, pour arrêter d'être sous emprise, d'être la marionnette de quelqu'un, d'un système, d'une entreprise. Et avanti! Non, il y a un truc comme ça. Hein. Ouh. Ça vous réussit, hein, le totem du loup. Vous avez pété la baraque, là. Ah, c'est trop bon. C'est trop bon. J'imaginais quelqu'un qui allait à la piscine, dans un spa, dans un truc, tu sais, pour se faire du bien, tout ça, cocooning. Je sais pas, est-ce que vous allez faire ça? Il y a un truc comme ça. Et il y a aussi, après la pluie, le beau temps. Vous allez de nouveau prendre soin de vous. C'est pas que vous vous êtes négligé. C'est plus profond que ça. Espace bien-être. Vous renouez avec les arts aussi, là. Les arts, les dons, musique, musée, peinture, théâtre, cinéma, la photographie. Peut-être même l'histoire. Mais c'est bien. Il fallait changer de... Dans votre sphère, dans votre bulle, ça devenait trop étouffant, trop petit, trop restreint. Ouvrir... Tu sais, c'est comme la carte du monde. Ah, quelque chose va plus fonctionner comme avant. On change. On démarre quelque chose de nouveau. On arrête un fonctionnement. Tu sais, on ferme un bouquin pour en réouvrir un autre. On va réécrire une nouvelle histoire. On recommence quelque chose. Ça fait penser à la carte du monde, ça. Le bocal n'est plus à ta taille. Donc, comme le monde, comme sur la carte du monde, elle a grandi comme ça. Les limites. Peut-être vous ouvrez votre esprit, vous sortez d'un carcan, vous cassez tous vos carcans, toutes vos croyances. C'est vraiment un tirage pour des capricornes, ça? C'est bien. Les cornes ont fini par pousser. On peut tout péter.
Il y a un très bel équilibre, peut-être des réconciliations, peut-être tout simplement vous apprenez à vous dompter entre force animale. L'animal ne contrôle pas la pulsion, les humeurs comme ça, et grande sagesse. Vous savez quand il faut être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Super adaptabilité, je ne sais pas comment le formuler, mais... Alors, vous, quand vous faites ce qui vous passionne, que vous renouez comme ça avec vos dons, avec vos arts et tout, vous arrivez à... J'ai déjà oublié que vous êtes enfermé. Ça vous ouvre sur le... Je sais pas comment dire. C'est comme si vous étiez fait votre propre tôle. Vous étiez senti un peu... en prison, c'est un grand mot. Il y a une notion de peur. Quelque chose vous a fait très peur. C'est ça fait très... Ce schéma-là, ça fait très art-thérapie. Situation où tu sortais plus, tout ça, là, la personne, elle est... Ça fait ça. Art-thérapie. Peut-être top des tops pour vous. Bon, il y a peut-être un maître. Un maître qui vous a aidé. Un maître dans un domaine. C'est-à-dire un maître spirituel, hein, on parle de affaires spirituelles, mais... Quelqu'un comme ça, quelqu'un d'une grande sagesse, avec une expérience, des clés que vous n'aviez pas, me fait beaucoup penser au hiérophante. Mais surtout, parce que même si tu as toutes les aides, si vous y arrivez là, le résultat, c'est quand même que grâce à vous, c'est vous qui avez fait le taf, même si on vous a mis les bonnes personnes, c'est vous qui avez relevé le challenge. Vous avez une grande âme, peu importe l'enveloppe que vous avez, l'enveloppe corporelle, des ressources incroyables, une âme forte, grande, peut-être vieille âme, peut-être. Il y a un triomphe derrière, vous avez relevé un challenge, vous avez peut-être pensé que vous n'alliez pas y arriver, vous avez peut-être voulu même passer à autre chose, partir, trop d'obstacles. Défis qui semblent difficiles à relever. Vous avez réussi, hein, à triompher. Pas de jour de gloire est arrivé. C'est bien, il y a quelque chose qui se pérennise. C'est-à-dire, engagement, oui, stabilité, mais quelque chose est pérenne. Projet, il y a un important projet en soi. Attention, t'es fertile si tu veux pas de gosse. Fais gaffe. Non, c'est bien. Vous êtes bien sur votre destinée. Faut-tu apprendre avec des pincettes ce que je viens de dire, mais non, c'est bien. Ouais, il y a une tentation là. Tentation de quoi, je ne sais pas, mais moi je la vois. Mais bon. On est un Capricorne. On est sage. On est fidèle. Madre mia. Magnifique. C'est quoi ce cadeau pas matériel qui vous apporte la paix, là? Ça peut venir d'un jeune homme ou d'un enfant. Maximum la trentaine. Hein. Sinon, c'est des enfants. On parle d'un enfant. Putain. Alors là, j'ai un homme. Un jeune homme. Qui envoie des messages. Attends. Vous apportez une fraîcheur, frais comme la rosée. Non, vous, je pense que vous êtes quelqu'un de très positif. Vous êtes dans le bonheur et puis vous avez un bon mental. Mais en plus, peut-être c'est contagieux. Tu sais, je pensais au bouton de rose comme ça. Je pense que c'est ce dont on se rappelle, ou tu sais, on va dire, oh, cette personne, elle sent trop bon en plus, une fraîcheur. Non,
Et un truc comme ça. Une douceur. Une grande douceur. J'ai encore ces trucs de bien-être, technique de bien-être. Vous prenez soin de vous. Hein. Avec deux jeux de cartes, je vois. Hein. Bon, là, si tu dois te faire un spa, c'est pas tout seul. Hein. Avant, il y avait une nana, là, il y a un mec. Peut-être en couple. Hein. Pour les couples, peut-être on va repartager des moments juste en couple. Là, j'ai quelqu'un qui. Alors, ou c'est toi qui signes quelque chose d'important, ou c'est une personne, c'est le sage donc que je voyais avant. Ça peut être quelqu'un qui vous a déjà sauvé, ou sauvé la mise, ou c'est quelqu'un de bien qui va vous proposer un contrat. J'allais dire, est-ce qu'on vous proposerait un contrat, mais par rapport à la route? Alors, ça peut parler, tu sais, j'ai pensé à plein de trucs là. Genre, peut-être, hein, il y aura un petit peu d'itinérance. peut-être plus de route, ou moins de route, plus sédentaire par rapport à un contrat. Ça pourrait. Mais ça, c'est à célébrer, c'est chouette, il y a un truc à célébrer, c'est peut-être une réponse en plus à un vœu. Mais il pourrait y avoir du manque. Tu vois, peut-être on va te proposer dans ton boulot de faire plus de route ou d'être plus sédentaire, mais genre quelque chose va te manquer. Ou tu vas manquer à ta famille ou toi, il y a quelque chose qui va te manquer, le terrain, il y a une modification, ça peut être ça. Mais ça répond quand même à des vœux. Hein. Donc sur un plan, ça vous plaît quand même. Bon, et puis là, je vois quoi. Ça me parle de la campagne, hein. Tu sais, ça peut être. L'histoire ne nous le dit pas, mais peut-être on va te demander d'aller un petit peu plus voir dans les campagnes ce qui se passe en clientèle, ou peut-être toi tu t'éloignes et tu vas vivre à la campagne. Il y a quelque chose avec les lieux. Les lieux et la distance. Tiens, là, j'ai un jeune homme, le jeune là. Ça me parle de consulter, va t'aller consulter. C'est différent. Ça me parle pas de santé. Plus santé mentale alors. Il y a quelque chose qui est très déstabilisant. Et on se méfie, du coup, il faut. Alors, bien écouter son cœur. Peut-être quelqu'un, tout simplement, vous a déstabilisé. Attention, hein. Les deux animaux, là, ça fait très. Et confiance. Mais bon, les cartes sont retournées, hein, c'est derrière. Pour moi, vous avez croisé ce bestiau, mais c'est derrière. Tiens, c'est derrière, mais ça vous regarde encore quand même. Hein. Ah ouais, on vous lorgne quand même. Oui, bon, écoute. C'est intéressant. On voit que vous êtes une chance, quoi. Qu'il y a du potentiel. Un truc du genre. Porte-bonheur, ou je sais pas. Peut-être le numéro gagnant. Ah ouais. Qui c'est que vous avez, avec la bouche là, vous avez descendu quelqu'un? Je crois que c'est quelqu'un qui vous avait pris pour acquis. J'ai adoré. J'adore quand vous faites ça. Je t'assure.
quelqu'un qui se prenait trop pour un king ou qui se prenait trop pour une queen. Genre en plus avec réputation et tout. Quelqu'un de... Attention, c'est quelqu'un qui a du succès. Là, je sais pas qui vous avez... avec votre bouche, vous l'avez descendu. Maintenant, il se cache. La personne se cache, hein, genre... C'est très mignon. Vous êtes trop fiers de vous. Discret, mais quand même. Hein, si vous pouvez le raconter à deux, trois personnes, vous êtes trop fiers. Peut-être vous êtes surpris vous-même. Vous vous reconnaissez pas. Il y avait une trop grande douceur qui se dégageait de ce tirage. Quelque chose de très beau, de très... Je sais pas comment dire. De joli. Vraiment joli. Et puis là, on voit qu'avec la bouche, on a descendu quelqu'un. Et qu'on jubile et qu'en plus, on va quand même... C'est plus fort que nous, on est tellement fiers. On a besoin de le raconter à peu de gens. Hein. Sûrement des très proches. C'est extraordinaire. Vous avez raison. C'est pas être dans l'ego. Partagez votre victoire. Allez, un message des fées pour finir avec vous, les Capricornes. Vous êtes entourés d'une énergie apaisante en ce moment. Quelque chose vous guérit. Mais bon, je voyais beaucoup d'art et tout. C'est peut-être une thérapie, ça vous fait du bien. Vous savez comment vous faire du bien, vous prenez soin de vous. Waouh, on vous dit que vous avez les compétences pour résoudre une situation, que même si vous avez des fois l'impression de marcher sur un fil, de devoir prendre des pincettes, que c'est très fragile, c'est risqué, que vous pouvez vous vautrer, vous ramasser à tout moment parce qu'on vous demande quelque chose de difficile. Vous savez bien le faire. Il y a une grande délicatesse. Vous savez faire. Vous avez le pouvoir, de toute façon. Vous avez les pouvoirs pour la mission. Voilà. Super. Bisous.